Bien, aujourd'hui on va parler à propos, j'ai eu un article que Amba Raphaël a rédigé avec le titre de « Le concept du repentir selon l'orthodoxie ». Comment l'orthodoxie regarde à propos du repentir. Vous savez, le repentir en arabe, ça s'appelle comment? Et taub. D'accord? Et taub. Alors, le repentir, dans la conception orthodoxe, comment l'orthodoxie, à travers les pères, à travers les principes de l'Église primitive, comprennent le repentir. Bien sûr, nous avons le protestantisme et le catholicisme. Le protestantisme, il a toujours une tendance ou une méthode à propos de repentir, le repentir personnel. Chacun avec son Dieu, d'accord ? Il n'a pas besoin ni de l'Église, ni des sacrements, ni rien du tout. C'est quelque chose de personnel entre l'homme et Dieu. Oui, c'est une partie, mais ce n'est pas tout. Vous voyez, on va voir plus loin. Donc, il y a les extrêmes. Il y a, pour le repentir, chez le protestantisme, cette méthode de personnalité, de intimité. D'accord ? Il n'a besoin que rien que se mettre devant Dieu comme ça, d'accord ? Il le parle. L'autre extrême, c'est le catholicisme. Ils ont une méthode de ce qu'on appelle des pratiques mystiques extrêmes. C'est-à-dire, ils mettent sur les épaules des repentants beaucoup de fardeaux, et des fardeaux mystiques, ascétiques, d'accord, des pratiques, d'accord. Même, vous pouvez voir dans quelques films qui montrent un peu la vie des carmélites, il y a la auto-flagellation. C'est-à-dire, la sœur, elle se donne des coups. D'accord ? C'est quoi l'orthodoxie ? Ben, comment elle pense à propos du repentir ? On va voir ceci à travers les prières dans la liturgie, la messe. D'accord ? Parce que durant la messe, c'est toute une repentance. Dès que tu rentres, jusqu'à ce que tu sors, c'est de repentir. On va voir. Alors, si je veux résumer ce qui se passe dans la tête des jeunes, vous voyez, à propos de repentir, je peux dire quelques points. Pour les jeunes, et on a attiré ça par les sermons des pères, vous voyez, que le repentir est un éloignement décisif. D'accord ? Décisif, c'est comme ça on prononce, décisif. Décisif. Un seul S. Décisif. Du péché. Et bien, le repentir, quand un prêtre, il dit toujours, d'accord, il dit, mais écoutez, ça c'est, tu prends une décision, c'est une œuvre décisive, d'accord, de quitter le péché, suivi par une vie ou une conduite sans chute. C'est ça ce qu'il y a dans la tête des jeunes. D'accord, on apprend ça. Vous voyez, décision, je quitte le péché, et c'est suivi par une vie, d'accord, sans chute, sans péché. Un autre point, c'est comme par exemple, si je me confesse et je retourne au péché, cela signifie que ma confession et mon repentir n'est pas vrai et ne sont pas acceptés par Dieu. Vous voyez ? Comme ça. Et une autre idée, par exemple, c'est que ma relation avec le Christ nécessite une conduite sainte, pure, sans péché.
Et cette conduite sainte exige un effort énorme. D'accord? Et une continuité sans péché. Si tu veux vraiment avoir une relation avec Dieu, d'accord, tu dois être sans péché. Alors ce sont des points très carrés qui ne sont pas pratiques. On peut dire c'est un idéal. C'est bien de décider de quitter le péché. Mais si tu tombes encore une fois pour une ou autre raison, ça ne veut pas dire que tu as perdu la filialité avec le Christ. Pourquoi ces idées carrées sont très dangereuses? Parce que ça peut mener à deux choses. Ou bien je choisis de vivre avec une dualité de cœur, un cœur pour l'Église et pour l'atmosphère ecclésiastique, et un autre cœur du monde. Je suis à l'Église, je prends la communion, je prie, j'ai l'image de la piété, mais pas sa force, pas sa profondeur. Et quand je sors de l'Église, bien, je vis dans la vie, je ne peux pas pratiquer ces idées carrées. D'accord, je me répands, une fois repenti, khalas, je ne tombe plus. Ou bien, je quitte l'Église à ceux qui peuvent vivre ceci. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qu'ils tombent dans le désespoir parce qu'ils ont ces idées-là dans la tête. Comment puis-je pécher? Comment puis-je chuter? Et je reste avec Dieu. Ça ne marche pas. C'est inacceptable. Donc, on va essayer de découvrir ensemble le concept du repentir dans l'orthodoxie à travers ce qui est très orthodoxe et spécifique aux orthodoxes. C'est la liturgie. D'accord ? Cette liturgie avec les prières qui sont à l'intérieur. J'ai dit l'orthodoxie en général, mais spécialement la liturgie copte orthodoxe. Parce que parmi les bonnes orthodoxies, je suis un peu pas extrémiste, mais un peu différencié entre les choses. D'accord. Je flatte toujours l'orthodoxie copte. D'accord, parce qu'elle est très ancienne, elle est très profonde et elle est très simple. Peut-être l'orthodoxie byzantine, d'accord, vous sentez un peu byzantine, c'est un peu compliqué. C'est un sentiment, peut-être que je me trompe. D'accord. Mais pour moi, l'orthodoxie copte, elle est très profonde, mais elle est très simple. D'accord. Alors, on va prendre cette liturgie-là. Première chose dans l'orthodoxie, elle nous apprend que le repentir, c'est une œuvre continue qui se répète et se répète tout au long de la vie. Première chose que tu mets dans ta tête, non pas que tu dois te repentir une fois repenti, d'accord, je suis sans péché et je dois marcher sur la corde. Non, pas dans ce sens. Je dois évoluer, oui. D'accord. Je dois éviter les pièges. D'accord. Je dois être soutenu par le Christ et être toujours avec lui. D'accord. Je dois toujours fuir le péché. Mais le repentir, c'est une œuvre continue, permanente, répétée et tout au long de la vie, jusqu'à ce que tu meures. Même il y a une petite histoire trop symbolique pour Saint Macaire. On dit que Saint Macaire, l'âme de Saint Macaire, un des pères du désert, un des pères des moines, eh bien, son âme en montant, après qu'il a quitté son corps, en montant son âme, son esprit, eh bien, les démons venaient en lui disant, eh bien, tu es sauvé, Macaire. Il leur a dit, non, pas encore.
Ensuite, il monte plus, d'accord, vers le paradis. Alors, ils reviennent les démons. Il lui dit, eh bien, Macaire, maintenant, tu es sauvé. Il leur dit, pas encore. Jusqu'à qu'il est rentré dans le paradis. Alors, de loin, ils lui disent, d'accord, eh bien, Macaire, tu es sauvé. Il a dit, par la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est une continuité, quelque chose de permanente, d'accord, quelque chose de durable, de répété, tout au long de la vie. C'est clair? La preuve. Oui. Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une autre solution? On ne peut pas. C'est répété. D'accord? Mais parfois, est-ce que je suis tombé dans ce péché par lassitude ou par faiblesse? D'accord? Ou par quoi? Que ça soit n'importe quelle cause, mais le repentir. Je n'ai que le repentir. C'est clair? Vous savez, si le repentir, c'est quelque chose de décisif, et une fois et c'est terminé, je dois continuer dans la sainteté, sans péché, d'accord, on devrait avoir deux genres de messes. Une messe pour les débutants, les repentants, et une autre messe pour les seniors. Oui ou non? Mais c'est bizarre. On a toujours la même messe avec les mêmes prières, avec les mêmes Kyrie eleison, et même toujours le sentiment que nous sommes pécheurs, nous sommes devant Dieu. Même le prêtre qui devrait donner le bon exemple, il n'arrête durant toute la messe de demander pardon à Dieu, comme pécheur, non pas comme saint. Vous savez quand peut-être les filles, vous n'entendez pas ça, mais les diacres, ils devraient aller voir. Abouna, quand il rentre, après les bekir, les prières matinales, et ensuite il rentre, avant qu'il prépare l'autel et il met les lafayif, les corporels, d'accord, et le calice et la patène, avant de faire tout ça, il a une prière qui s'appelle la prière de préparation. Salat al-Istadad. Si je célèbre la messe chaque jour, je vais dire ceci. Écoutez avec moi cette prière. Nous sommes dans un point très orthodoxe, que le repentir, c'est une œuvre permanente qui se répète et qui est une œuvre continue tout au long de ta vie. Répétition et continue. Chaque fois qu'Aboun, il rentre à la messe, il rentre à l'église, avant de préparer l'autel, il commence à dire, à prier humblement une prière vers Dieu. Bous, comment il le dit? Écoutez bien. Ô Seigneur qui connaît le cœur de chacun, le Tout-Saint, qui demeure dans ses saints, qui est sans péché et qui pardonne. Je vous fais l'introduction, comment le prêtre, il parle. Et ça, c'est une prière secrète, sirran. Il dit, Dieu, tu sais le cœur de chacun, d'accord? C'est toi qui es tout saint, d'accord? Qui demeure dans ses saints. Eh bien, qui est sans péché, toi seul qui est sans péché et qui pardonne. Toi, Seigneur, tu connais que je ne mérite, ni je suis digne, ni prêt pour ce saint service. Je ne mérite pas, je ne suis pas prêt pour ce saint service. Que je n'ose pas m'approcher ni ouvrir la bouche devant ta sainte gloire. Mais selon ta grande miséricorde, pardonne-moi, moi le pécheur, et donne-moi
la grâce et la pitié en cette heure. Attention, je peux dire cette prière et je suis pécheur et j'avoue tout ceci devant Dieu dimanche. Et bien normalement, du dimanche jusqu'à la messe, deuxième messe de lundi matin, d'accord, si le repentir est terminé, je ne dois pas dire cette prière. Mais chaque fois, chaque jour, toute ma vie sacerdotale, je vais dire la même chose. Parce que chaque jour, je suis pécheur. Parce que le repentir ou la sainteté, c'est quelque chose d'absolu pour Dieu. Mais pour moi, c'est quelque chose de relatif. Je ne serai jamais saint avec un S majuscule. On peut dire même que nous sommes, d'accord, les saints pécheurs. Nous sommes saints parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes des saints. Et même Abouna, il dit, parce que tu demeures dans les saints. Qu'est-ce qui m'a rendu saint? Ce n'est pas parce que je suis sans péché, c'est la grâce et la pitié de Dieu. Et ma sainteté avec un S minuscule, pas avec un S, quand on dit saint, 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 Dieu de Sabaoth. C'est clair? Même le patriarche, on l'appelle ta sainteté. D'accord? Mais si Sayyidna, il rentre pour préparer l'autel dans sa messe, il doit réciter cette prière-là. Alors le patriarche, sa sainteté, il se met devant Dieu chaque messe en disant ceci. Mais selon ta grande miséricorde, pardonne-moi. Dans tout ça, c'est le concept orthodoxe du repentir. C'est que je me sens toujours pécheur, d'accord, relativement à la sainteté absolue de Dieu. J'essaye d'être parfait, mais ma perfection est relative. Et chaque fois que j'arrive à un niveau de sainteté, eh bien, je dois aller plus loin, parce que ça ne s'arrête jamais. L'absolu, c'est la sainteté de Dieu. Et bien, toujours, je suis pécheur. Il y a bien le protestantisme, il dit ben, pécheur, pécheur, et tout comme je requéris à la son ou pécheur. Mais bien sûr, parce qu'on va voir un peu plus loin le verset qui dit celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est pas en lui. Et il fait que le Seigneur est menteur. Nous avons besoin de. Une fois je me suis repenti, c'est terminé. Da, fâche. Ta grande miséricorde, mais selon ta grande miséricorde, pardonne-moi, moi le pécheur. Et donne-moi la grâce et la pitié en cette heure. Envoie-moi la puissance céleste pour que je commence, prépare et complète ton saint service selon le contentement de ta volonté. Oui Seigneur, sois avec nous, participe avec nous dans ce travail. Bénis-nous. Car tu es quoi? La rémission de nos péchés. La lumière de nos âmes, notre vie, notre puissance et notre espérance. C'est à toi, nous élevons la gloire, l'honneur, l'adoration au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au Ba'din, après cette prière, il commence à préparer l'autel. Et bien donc le repentir, même pour Abouna. Eh bien, c'est chaque jour. On ne peut pas être sans péché. On essaye, comme je vous dis, d'éviter tous les pièges. Et Dieu, ô Seigneur qui connaît le cœur de chacun, est-ce que moi je retombe dans le péché par lassitude, par indifférence? Je m'en fous? Ou c'est une lutte, c'est un effort que je fais? Dieu qui connaît le cœur de chacun. Et bien Abouna, il se repente, d'accord, mais il dit toujours, par ta miséricorde et ta pitié, mais j'essaie de faire tout ce que je peux. Là, qu'il dit, oui, je suis faible, je suis faible, je suis faible. Non. Faible plus la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, la pitié de Dieu.
Irhamna. Qu'est-ce que ça veut dire, irhamna? D'accord? Que je ne mérite pas. Bouna, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Chaque messe, d'accord? Chaque jour, il lui dit, tu connais que je ne mérite, ni je suis digne, ni prêt pour ce saint service. Le repentir dans le concept, dans la mentalité de l'Église, c'est que c'est une œuvre continue, permanente. D'accord? Tout au long de ta vie. Il n'y aura pas un moment où tu vas dire, non, je suis bien, je n'ai pas besoin de repentir. C'est pour cela qu'on vit toujours dans l'humilité. D'accord? Pourquoi tu te flattes? Tu ne mérites rien. D'accord? On voit toujours que la couleur de nos prières durant la liturgie, c'est toujours la couleur de repentir. Toute la messe, dès le commencement jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, ça, c'est une preuve que, puisque toutes les prières de repentir circulent, se dit toute la messe, c'est-à-dire que toute la vie a besoin de repentir. C'est le symbole que toute ta vie a besoin de se repentir. Continue. Que la messe commence par le repentir et se termine par le repentir. Dans le Kyrie Eleison et dans toutes les prières, on va voir un peu plus loin aussi des prières. D'accord? Et même un discours entre le prêtre, le diacre et le peuple. Vous allez voir. D'accord? C'est-à-dire que tu commences ta vie avec le repentir, tu continues toute ta vie le repentir, d'accord? Et même à la fin, Zayé Abou Ma'ar, en montant, le repentir. C'est une œuvre qui se répète. Permanent. D'accord? Et comme je vous ai dit, si le repentir était tout simplement une période d'arrêter le péché suivie par une sainteté complète, on n'aurait pas besoin d'avoir la messe chaque jour. Et la même messe, il n'y a pas deux messes. Il n'y a pas deux genres de messes. Une messe pour les repentis, d'accord, et une messe pour les saints. Non. De même à la fin, quand Abouna, il dit quelque chose que vous devrez comprendre, quand il dit à la fin, les saints offrandes pour les saints, Al-Qudsat al-Qudissin, Abouna, il dit, mais écoutez, nous, on ne peut rien que ça, et moi, comme représentant, écoutez ça, ces dons-là, le corps de Christ, c'est un don que Dieu nous a donné, que sur la terre, on peut avoir son corps et son sang. Alors je dis, ces choses-là, son corps et son sang, c'est des dons saints, avec un S majuscule, précieux. Et ces dons précieux, personne ne les touche que les saints. Alors qu'est-ce que le peuple dit? Hein? La réponse, ça sera quoi du peuple? Quand j'ai dit les saints dons pour les saints, qu'est-ce que vous répondez? Hein, Shamam? Un et le Père Saint, un et le Fils Saint, un et l'Esprit Saint. Il n'y a personne qui est saint que le Père, que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On reconnaît qu'on ne peut pas être saint. On ne mérite pas, mais on a besoin. Et on sait très bien que personne ne peut prendre ses dons tout en étant saint. Les saints dons pour les saints. Un est le Saint-Père. Un est saint. Le Père, le Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il répond à Abouna? La paix soit avec vous. Allah,
الناس هذا ils comprennent pas le saint pour le saint. Oui, d'accord, le un est le saint, d'accord, la paix avec toi, avec vous. Et quel est le lien? Eh bien, n'ayez pas peur, la paix soit avec vous. Et c'est la paix, je ne vous fais pas le signe de la paix soit avec vous, parce que le Christ est là avec son corps et son sang. Faites attention durant la messe, que toujours, chaque fois que Abouna, il dit la paix soit avec vous, il vous oint avec le signe de la croix, sauf après la transformation du pain en corps du Christ. Le Christ est là. Je ne peux pas vous bénir, c'est le Christ qui vous bénit. Alors, ou bien, je vous le dis sans vous oindre, sans vous bénir, avec le signe de la croix de ma main, d'accord? Ou bien, il y a un moment que Abouna, il dit, je suis devant l'autel, le corps de Christ sur l'autel, je dis, la paix soit avec vous, et je m'éloigne pour que la paix vienne du corps du Christ vers vous. Vous voyez, Abouna Kedda, il fait ce geste. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous croyez, il y a des pères même qui le font comme ça. Eh bien non, je ne m'incline pas devant les gens. Je m'éloigne. Wassa. La paix soit avec vous. Je dois faire exactement comme ça. Je m'éloigne en regardant le Christ. D'accord? Où il y a des pères, parce qu'il ne saisit pas cette affaire-là, il commence à dire, la paix soit avec vous. Le Christ soit là. Il fâche. Vous pouvez remarquer toujours que quand il y a un évêque, c'est une grade plus élevée que moi et Abouna Elisha. Quand il y a un évêque qui rentre à l'église, vous remarquez que moi et Abouna Elisha, on met notre croix dans notre poche. Khalas. Je ne peux pas tenir une croix à la présence de l'évêque. Les évêques ne peuvent pas tenir une croix en présence du patriarche. Regardez Kedda, durant une messe de Noël ou à la Pâque, la télévision, il y a des évêques. Est-ce qu'il y a un évêque qui a une croix? Là. De même, avant la transformation, si je veux bénir, je peux prier, mais quand il y a la bénédiction, c'est Sayyidna. Rahmedilou le microphone, youl. Assalam, les gamiakoum. Moi et l'évêque, après la transformation du pain en corps du Christ, le Christ est là en son corps et son sang, je ne peux pas, ni moi, ni l'évêque bénir, c'est le Christ qui est béni. Ni même le patriarche, parce que le patriarche, célébrant la messe, il va faire les mêmes choses que moi. Il ne peut pas bénir le peuple tant que le Christ est là. C'est clair. Un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint. La paix soit avec vous. C'est clair? Toujours, je vais essayer de le traduire, ce, parce que je n'ai pas trouvé ici dans le... Toujours on dit, d'accord, Laïsa abdun bela khatiyya wa la sayyid bela ghufran. Ça c'est un refrain. On dit à Dieu, d'accord, pour yani, pour comment dire, caresser son cœur envers nous, on lui dit, il n'y a pas un maître sans pardon. D'accord, ni abd, esclave, sans péché. Si on ne peut pas trouver un maître sans pardon, c'est un signe de votre maîtrise, le pardon. Eh bien, moi, je suis esclave. Un de mes traits, c'est le péché. Vous voyez? Et ceci se répète chaque messe. Vous voyez? Ce n'est pas une messe, ou badan khalas, non? Donc l'église n'est pas un lieu pour les saints. Tu t'es repenti une fois, khalas, tu ne peux pas rentrer. Et bien quand tu te sens que tu es en plein péché, surtout tu viens à l'hôpital. Ne rentre pas dans ta bulle, loin de l'hôpital. Il y a un des pères qui dit que l'église n'est pas l'endroit des saints. Les saints seulement. Mais c'est un hôpital des repentants. Un hôpital de repentants.
Quand tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, tant que tu es sain, d'accord, tu ne viens pas à l'hôpital. Et puisque, ça c'est la mathématique, et puisqu'on te demande toujours de venir à l'église, chaque semaine, c'est-à-dire que tu es toujours malade et tu as besoin de l'hôpital. Parce que le repentir, c'est quelque chose, une œuvre continue qui se répète, permanent, tout au long de ta vie. C'est clair? Il y a une équation. Tu rentres à l'église pour recevoir le pardon. Ce pardon-là, tu le reçois comment? Tu l'acquis comment? Par le repentir, par la confession et par l'absolution. C'est trois choses. Tu te repens. C'est ça le sacrement de repentir. Ce n'est pas un sacrement de confession. La confession, c'est une partie. D'accord? Essentielle. Comme l'absolution, c'est une partie essentielle. Comme le repentir, c'est la troisième partie essentielle dans le sacrement du repentir. Il n'y a pas un sacrement de confession. On l'appelle comme ça, qui est d'ailleurs un langage courant. Mais le vrai nom du sacrement, c'est le sacrement du repentir. Et on invoque le pardon du Seigneur par le repentir. La confession et l'absolution d'Aboun. Il y a un dialogue. Nous sommes toujours dans ce point que le repentir, dans le concept orthodoxe, c'est une œuvre qui se répète permanent. D'accord? Tout au long de ta vie. Est symbolisé par la messe qui se répète et qui ne change pas. Les mêmes prières, le même pardon. Alors il y a un dialogue. Fait Bekir quand vous êtes en laisse en retard. À la fin de Bekir, d'accord, l'ensemble du matin, à la fin, qu'est-ce qu'il y a, hein? Quelle prière? Ça se termine comment les shamams? Avant d'Amin Alléluia Zouksabatri de Bekir, qu'est-ce qu'il y a? L'absolution. Hel. Qu'est-ce qui se passe durant cette absolution-là? Nous, notre Père qui est aux cieux, au Baden et Shemmes, d'accord? Je vais vous chercher ça pour que je ne me trompe pas. Boss. Yoloé. Notre Père, au Ba'adin. Le diacre dit Taski vala Simon kiri yuklenati. Inclinez vos têtes devant le Seigneur. Zibou. Au Ba'adin, il y a qu'on ne comprend pas. Il dit après ça quand il dit inclinez vos têtes devant le Seigneur. Il y a un autre diacre qui dit ça, mais normalement c'est toute la congrégation. D'accord? En obionso kirie. Là, c'est un dialogue, ça doit être entre le diacre et le peuple. La kelmenchreb était le peuple. D'accord? Alors c'est un diacre qui dit. Ouais, le peuple est Adam et Shurlen. Ça c'est le théâtre des diacres entre eux. On s'en fout. El mafrout. Inclinez vos têtes devant le Seigneur. Parfois, on aime bien dire ça en français pour que les gens comprennent. Quand ils ont l'habitude, on commence à le dire en copte. La kintla et shemmes normalement. De même. Yul taski vala simon tokerio eklenati. Un autre lui répond à la place de la congrégation. En obion so kirie, c'est-à-dire devant toi, Seigneur. Sous-entendu, nous inclinons. Inclinez votre tête devant le Seigneur, nous inclinons. Au Badin, il dit quoi?
Entendez dans la crainte, entendez dans la crainte de Dieu. Amen. Entendez, entendez quoi? La paix soit avec vous. C'est quoi ça? Vous le faites bêtement, mais on ne sait pas. Mais vous avez raison. C'est mon péché que le prêtre ne vous a pas dit comment, qu'est-ce que ça veut dire. Ça sera pour l'absolution. Barde, la paix soit avec vous, d'accord? Et avec votre esprit, elle commence, Abuna, à prier l'absolution générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant le Seigneur, inclinez vos têtes, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Vous dites devant le Seigneur, d'accord, nous nous inclinons. Entendez bien le verdict qui va sortir. Il y a un verdict. On mérite une punition. Nous sommes inclinés devant le Seigneur, on sait. Alors le roi rentre, il va dire le verdict. Alors Shammes, le serviteur du Seigneur, dit, entendez bien, avec attentivement. C'est quoi le verdict? La paix soit avec vous, n'ayez pas peur. Et ensuite, et avec votre esprit, il commence à prier l'absolution. Tous les sacrements, même le mariage, à la fin c'est ça. L'onction des malades, à la fin c'est ça. À la fin du mariage, le rideau, d'accord? À genoux. Abouna va à chani, voilà de l'aziz, yani abouna. Il booste voilà, il booste au kada, à chani de savoir. On comprend rien. C'est notre faute à nous, les prêtres, avant votre faute. Et de l'autre, il va y avoir un yin kada le bouquet, à la del fustan, ou il booste kada. Ou abouna amel ido alayhi. Arrive tous les mariages, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne comprend rien. On ne prend pas la bénédiction. Alors, les mariés devant le Seigneur, ils disent, nous sommes pécheurs. Ils viennent s'incliner devant l'autel. D'accord? Pour prendre l'absolution. N'ayez pas peur. La paix soit avec vous. Chauffe le concept orthodoxe, le repentir. C'est toujours. Et dans tous les sacrements, on ne mérite pas à avoir ce sacrement de mariage. On n'a pas le droit de prendre le sacrement d'onction de grâce, d'onction des malades. On ne mérite rien. Abouna, au commencement, il dit, je ne mérite pas d'ouvrir la bouche devant ta sainte gloire. C'est clair. Yoba, inclinez votre tête. Lazaba. Abou Nabiul, un autre père, il a fait une telle affaire qui n'est pas. Et mademoiselle, elle est allée à la toilette. Je fais ma hague. La killa, elle est là. Quand on dit entraîner votre tête. Donc, si tu veux aller à la toilette, estani. Ou le chemin, ça bille bessou, rouge toilette. Rouge toilette, ou ma bille bessou, yemk. Quand on ne fait rien. La killa, cette partie à la fin, c'est très important. Inclinez votre tête devant le Seigneur. Nous nous inclinons devant le Seigneur. Entendez bien, attentivement, il y a un verdict. La paix soit avec vous. Au Ba'din, Abouna, il commence à dire et Tahlil. Qu'est-ce qu'il dit? Ô ma Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et la parole du Père qui nous a déliés de tous les liens du péché par sa souffrance salvatrice. Ok? Tac, 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 tac. Le reste. C'est clair? Donc, cette équation-là, repentir, confession, absolution. D'accord? Dieu, il est très bon. On vient vers lui, on dit, je suis pécheur. Khalas, mesh, samhak. Miséricorde et pitié.
Regardez toujours que si je suis justifié dans la messe et je sors de l'église, est-ce que je suis infaillible? Je ne suis pas infaillible. Mais attention, tout ce que je dis là, ça ne veut pas dire que c'est une permission que tu sois dans le péché. Non, attention, n'oublions pas la prière du prêtre. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de chacun, si je travaille, oui ou non, si je fais un effort, oui ou non, si j'évite les pièges de Satan, oui ou non, si je fais un effort, oui ou non, d'accord? Si j'évolue dans la sainteté, je n'arriverai pas à la sainteté absolue, mais j'aimerais bien avoir, au lieu de 2-3 couronnes, que ce soit 5 couronnes. Plutôt. Il n'y a pas 20 sur 20, parce que c'est l'absolu, c'est la perfection. C'est Dieu. Un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas infaillibles. Et nous ne sommes pas indifférents. Mais nous ne sommes pas infaillibles. Il y a toujours, d'accord, le péché en nous. Deuxième point, c'est que le repentir, c'est l'œuvre de toute l'Église ensemble. Toute l'Église, tous les membres de l'Église, que ce soit le peuple, femmes, hommes, enfants, prêtres, diacres, évêques, patriarches, tous les membres de l'Église, d'accord, ils ont besoin d'accomplir cette œuvre-là. Il n'y a pas des saints et des moins saints. Non, nous sommes tous. On a besoin de repentir. Chacun dans son grade, mais on a toujours besoin de repentir. D'accord? Je vais vous chercher ici. Je crois que ça c'est à la fin. Une minute. Regardez cette prière-là. Bardo, à la fin de la messe, il y a « Inclinez votre tête devant le Seigneur. » Elle ne fait pas attention à ça, mais elle commence à chercher les enfants. C'est pas le moment. Je vais chercher cette prière. Ah oui. Ici, le prêtre prie pour ceux à qui il veut, au bas des kedas. Il commence à dire, parfois je hausse la voix un peu pour vous, vous entendez ce que je dis. À la fin de la messe, à la fin, il y a able la confession, able les saints dents pour les saints. Bousso, qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi, Seigneur, de ma faiblesse. Et pardonne-moi mes nombreux péchés. À la fin de la messe. Vous voyez, je vous ai dit, toute la messe, ce sont des prières de couleur, d'odeur, de repentir, qui symbolisent que toute notre vie, d'accord, doit être dans le repentir et le demande de pardon. Pardonne-moi mes nombreux péchés, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Je répète, où le péché s'est multiplié, quand il y a beaucoup de péchés, si mon cœur est plein de péchés, la grâce, ta grâce, Seigneur, a surabondé. Ce n'est pas une excuse, d'accord, pour se mettre dans le péché. Non, attention, Seigneur, toi qui connais le cœur de chacun. On ne va pas profiter de la bonté de Dieu, ni de sa miséricorde. D'accord? Pour se lasser dans le péché. Non, attention. À cause de mes péchés personnels et l'impureté de mon cœur, ne prive pas ton peuple de la grâce de ton Esprit Saint. Absous-nous et absous tout ton peuple
de tout péché, de toute malédiction. Les impuretés, les impuretés et les péchés mes péchés personnels, d'accord, ne privent pas ton peuple de la grâce de ton Esprit Saint. D'un même en plus que ça, que vous voyez que tous ont besoin, le prêtre, beaucoup plus que le peuple même. Quand le prêtre il choisit l'agneau et le hamel au commencement, qu'est-ce qu'il dit ? Min agli nagasat qalbi, je vais essayer de traduire. Min agli khatayaya al-khassa nagasat qalbi wa gahalat sha'bak. C'est-à-dire, d'accord, qu'en présence ce sacrifice-là, pour mes péchés personnels et mes impuretés, d'accord, et l'ignorance de ton peuple. Yann, vos péchés, vous, c'est par ignorance, entre guillemets. Yann. D'accord. Lakin bosso. Toute la communauté, depuis le prêtre, les diacres, tous, d'accord, c'est une œuvre de repentir, d'accord, dont on a tous besoin. C'est une séance de repentir, une séance de reconnaître nos péchés devant Dieu. C'est une séance qui se répète dans l'hôpital des repentants, l'Église. Parce que nous sommes infaillibles. Et puisque tu saches que tu es infaillible, devant le péché, tu auras peur, t'aigri. Parce que tu sais. Pourquoi devant Dieu tu dis ma faiblesse? Et devant le péché, tu dis Ahlan, je suis fort. Bref, sois lâche devant le péché. Voilà, tu es lâche devant Dieu. Là, devant le péché, je suis faible. Rappelle-toi de ta faiblesse, non pas devant Dieu, mais devant le péché aussi. C'est clair? Donc, le repentir, d'accord, est une œuvre dont toute l'Église a besoin. Regardez, un verset ici, que toute l'Église a besoin. Pourquoi? On va prendre l'épître, première épître de Saint Jean, chapitre 9. Première épître de Saint Jean, chapitre 9. Chapitre 9, il n'y a pas chapitre 9. Chapitre 1. Première épître de Saint Jean, chapitre 1. Verset 1 Jean 9. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous disons, même verset 7, prenons depuis verset 7. Jean, premier chapitre, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je suis pécheur. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle dans ses promesses. Je vais vous pardonner. Il va nous pardonner comment? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est par le sang de Christ que nous purifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parfois, tu doutes
est-ce que quand je me confesse du péché, d'accord, est-ce qu'il va me pardonner? Oui. Si je retombe, n'aie pas peur, retourne. Tout en ayant fait tout ce que tu peux comme effort. Mais ben, faiblesse, tu es infaillible. Et si tu retournes, retourne humblement en disant, Dieu, je sais que je suis faible. D'accord? Aide-moi. Donne ta miséricorde. Donne-moi ta pitié. Là, devant le péché, tu dis la même chose. Essaye bien de dire devant le péché, d'accord, Dieu, je suis faible. Donne-moi ta miséricorde, ta pitié. Et toute ta vie, pas une fois, ou khalas ba'ed kwais. Si quelqu'un dit, nous n'avons pas de péché, khalas, anatopte de loati abouna. Sayyidna al-Baba, d'accord, quand il était mouane, avant son ordination, eh bien, il était responsable de prendre les confessions des petits ouvriers, et le fait dire. Enfin, il la raconte une fois, il a pris la confession d'un ouvrier, un jeune qui est. Au bas de Kedah, un mois plus tard, Ablo. Yaflan, Zay Halak, Kwaïs Yabouna, Abou Antonius. Kwaïs Abou Antonius. Tam, Jaous, Mafish Haga, Mafish Khataï, Allo, Eb Yabouna, Khalas. Anna, madame, Eb Yabouna, Khalas. Ça, c'est une simplicité de penser. Khalas, il y a un moment où on termine le repentir. Le repentir, c'est continuel et tout au long de la vie. Et je dois toujours me mettre sur mes gardes. C'est ça le concept orthodoxe du repentir. Concept bah, du protestantisme. Khalas, le Messie khalasak. Alléluia. Vendredi 12 juillet à 2h, je me suis sauvé. Khalas. Harrarni le Messie. J'ai changé. Je me suis réveillé. Kedah, khalas. Et khalas, tu n'as pas besoin de repentir. Non, c'est parce que je suis sûr que Dieu m'a sauvé. Il t'a sauvé, il a qu'un khalas. Tu n'as pas besoin de cette continuité-là. Saint Paul, il dit, d'accord, que je contrôle ma chair pour que ne pas, après avoir prêché aux autres, je sois moi-même refusé. Saint Paul, il peut être refusé après qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Eh bien oui, méfie-toi jusqu'à la fin de ta vie. Saint Macaire, en montant son âme, il a dit, non, pas encore, je ne suis pas sauvé. خلصت يا مقارة لست بعد لست بعد لست pas encore quand je serai à l'intérieur par la grâce de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que je n'ai pas besoin du Christ, je n'ai pas péché, pourquoi y a c'est normal. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parce que sa parole, elle nous fait apprendre qu'on a besoin du salut du Christ. Troisième point. Premier, le repentir, c'est une œuvre continue tout au long de ta vie. Deuxième point, l'orthodoxie nous a fait apprendre que nous sommes tous. On a besoin de repentir. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin. C'est toute l'Église, d'accord, qui est présente sans repentir à Dieu. C'est pour cela qu'on dit tous Kyrie eleison. Troisième chose, que le pardon se base sur quoi? Pas ton effort. Se base sur la fidélité de Dieu et la puissance du sacrement. La puissance du sacrement de repentir, le sacrement de l'Eucharistie et la fidélité de Dieu. S'il te plaît, le piano, non? C'est clair? Je veux bien que tu sens toujours en se rapprochant du corps de Christ, d'accord. Tout c'est grâce à la fidélité de Dieu. Il est comme il est fidèle et juste, d'accord. Et c'est
C'est la force que tu le prends dans le corps et le sang de Christ qui te pardonne tes péchés. Ce n'est pas toi. Et là, on dit toujours que l'homme, il a besoin de l'Église. Parce que le sacrement est à l'Église. L'idée des protestants, que pourquoi je ne me confesse pas vers Dieu. Je me rappelle un jour que Abba Moussa, quand il a eu cette question-là, il lui a dit, bien, bien Habib, rouh, confesse-toi à Dieu et que Dieu te donne la communion. Mais fâche, Dieu a institué ces sacrements que tu te confesses, d'accord, tu te répands, tu te confesses, tu prends l'absolution, d'accord, et tu participes à l'Eucharistie, ce sacrement très fort, pour que le corps et le sang du Christ te purifient et te pardonnent tous les péchés dont tu t'es repenti et tu t'es confessé et tu en as pris l'absolution. Donc, on a besoin de cette force. Force, on a besoin de l'Église, du sacerdoce et du sacrement. Ça, c'est le concept orthodoxe. Tu ne peux pas te repentir tout seul. Tu as besoin de l'Église. D'accord ? L'Église, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là-dedans, d'accord, de prière et de liturgie. Et le sacerdoce qui te donne la communion, qui te donne l'absolution, qui prend tes confessions. Mais celui qui pardonne, ce n'est pas Abouna, mais c'est le sang du Christ. Que Abouna, il participe dans la célébration. Mais celui qui transforme le pain en corps et le vin en sang, c'est l'Esprit Saint, invoqué par les prières que Abouna, le sacerdoce, célèbre. Tapsi, monsieur un tel ou mademoiselle un tel vient et célèbre la messe, mais il fâche. Dieu a institué que c'est le sacerdoce dans l'Église. Et on ne peut pas célébrer la messe n'importe où, on doit la célébrer à l'Église. Mais Abouna, parfois on le fait dans des maisons, d'accord ? Vous voyez, ah oui, quand il n'y a pas des églises, on a toujours Elloh el-Muqaddas. C'est cette partie, ce plancher consacré sur lequel on célèbre. C'est clair ? Sur l'autel, si l'autel n'est pas consacré tout entier, il y a un plancher sur lequel on met le calice et la patène. Ça, c'est l'Église. Alors s'il y a, et on n'a pas les moyens, comme des villages en Haute-Égypte, qu'il n'y a pas des messes, alors c'est Abouna Birouh avec le calice, le patin, ou le shoria, ou le shafi. Mais il a l'autel avec lui. C'est quoi l'autel? Tout l'autel, là, un plancher sacré, mais d'achin avec le Saint-Crème, le Mayroun. Il y a un autel, il y a un tarabiz. À Saint-Kéda, si vous vous rappelez, mais vous étiez très petit, à Saint-Marcel, à un moment, il y avait deux messes sur le même autel. Je me rappelle, il y a un gars qui a un galta à la bouna. Et ça, il y a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gnatius. D'accord ? Mais ça, le dessin à la yassalam, falih aoui. On change l'autel. Allez, ça, il y a un gars. L'autel, il y a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un deux calices, deux patins. C'est clair. Les trois points à propos de la conception du repentir dans l'orthodoxie, c'est que c'est une œuvre continue, permanente, d'accord, tout au long de ta vie. Deuxième concept, c'est que le repentir, c'est un besoin pour toute l'Église, tous les membres de l'Église. Troisième chose, ben, tu ne peux pas te flatter. Parce que la force vient d'où? Cette force de pardon, ça vient d'où? Non pas de toi, mais de la fidélité de Dieu et de la force du sacrement. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Tout ceci, ça ne veut pas dire une permission de vivre, de se lasser dans le péché, dans la boue du péché. Non, mais de connaître toujours que tu seras toujours pécheur relativement à la pureté et à la sainteté de Dieu.
qui peut dire que je suis sans péché? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ce verset-là, c'est le verset 1 Jean, chapitre 1, de 7 à 9. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Romains 9, une minute. Alors, Romains 9. Une minute, s'il te plaît. Actes des apôtres. Romains 9, oui. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème. Anathème, c'est-à-dire refusé. Et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte des promesses. Comment Saint Paul, il dit que je peux être, d'accord, séparé de Christ. Bien sûr, ça c'est une façon de dire, mais pas une vérité. Parce que la réponse, qu'est-ce que tu peux gagner si tu gagnes tous les gens et tu te perds toi-même? Mais par amour, il dit, il exprime son amour, que même, mais sûrement ce n'est pas à la lettre. D'accord? Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Je peux donner tout, même que je sois anathème et séparé de Christ. C'est une façon, laquelle anathème, tu peux dire anathème de qui? Des Israélites eux-mêmes, pas de Dieu. D'accord? Et loin, non pas de Jésus, de Christ, de Messie, dans vos yeux à vous. Si vous m'insultez et vous me dites et vous me jugez que je suis anathème et loin de Christ, mais pour que vous connaissiez la vérité, d'accord? Eh bien, je l'accepte. Ah oui, par amour. Et n'oublions pas que, prenez, quand tu vois un verset qui est très choquant, d'accord, essaye de ramener des autres versets. D'accord? Parce que si je vous aime jusqu'à que je me sacrifie moi-même, d'accord, c'est un amour. Mais est-ce que je peux avoir cet amour-là si ce n'est pas Dieu en moi? Ah oui, son peuple, d'accord, que j'aimerais bien, d'accord, que je sois anathème et séparé de Christ, d'accord, à vos yeux aussi, d'accord, parce que les Israélites, ils savent bien le Messie. Tu vois, c'est une façon de dire, pour présenter son amour. D'accord? Et voilà, c'est une façon de dire. D'accord? Parce que Saint Paul, à un moment, il dit, d'accord, je me contrôle pour que je ne sois pas refusé, afin de ne pas être refusé, oui ou non. Et bien, ce n'est pas contradictoire, il n'est pas hypocrite. Laquelle, c'est pour présenter, d'accord, son amour à ces Israélites-là, son peuple. Il était pharisien, il était israélite, alors il vient leur annoncer, même si je suis anathème et loin du Christ, même à vos yeux, d'accord, eh bien je l'accepte, mais l'importance c'est moi, ce n'est pas que je sois flagellé, ou à la mort, ou à la sacrifié, ou à la anathème, ou à la loin du Christ. Choufi, ça vient dans la phrase, d'accord. Ce qui m'intéresse, ce que vous soyez, vous, d'accord,
accepté du Christ. Sentiment de ça, même tu vois le titre, sentiment de Paul pour Israël. Ce sont des sentiments. C'est clair? Dans ma Bible, dans mon édition, c'est écrit sentiment de Paul pour Israël. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pour vous les Israélites, vous ne savez pas la vérité. Il présente ce sentiment que je peux être même anathème, d'accord, mais afin que vous connaissiez le Christ. Autre question. Sayyid al-Baba, il a dit toujours, attention, ne vous arrêtez pas sur un verset et vous le découpez de tout le contexte, de tout le texte. Vous voyez, quand il y a un verset qui paraît contradictoire ou choquant, là, prenez les autres versets qui peuvent parler à propos de ce sujet. Et c'est pour cela que vous trouvez la meilleure Bible, c'est la Bible où il y a des références. C'est-à-dire, chaque verset, vous trouvez à côté d'autres références qui parlent à propos du même sujet. Alors, comme ça, le sujet est clair dans votre tête. Autre question? Laquelle? On va se baser dans ce sens, d'accord, dans ce faux sens. Alors pour mes frères et mes parents, d'accord, je vais les suivre dans leur hérésie et je sois anathème et séparé du Christ pour mes parents. Là, parce que le Christ même a dit, et saint Paul le sait, celui qui aime un père, une mère, un frère, une sœur, une femme, un fils, une fille, plus que moi ne me mérite pas. Oui ou non? Et saint Paul aussi, il a dit, d'accord, que j'ai considéré tout ce que j'ai comme une poubelle pour la grâce de connaître le Christ. Et bien, si tu mets toutes ces pensées de Paul, tu vas voir que ça, c'est une façon de dire, d'accord, pour présenter ses sentiments vers Israélite, mais ce n'est pas à la lettre. C'est clair? C'est clair? D'accord. Autre question. Plus vous lisez, plus, d'accord, vous allez poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on fait la prière.